Président République là, Jovenel Moïse remet un lot équipement lourd by direction départementale Grand'Anse travaux publics. Président commission conditions femmes et droits femmes, Chambre députée à Gladys Saint-Jean lundi, exprimé préoccupation liée sous calamité marchand de marché Hippolyte Kiboulé. Député a encouragé gouvernement prendre toutes dispositions pour supporter marchand. Yon ligne électrique inaugurée jeudi 15 février dans la 4e section communale Belleville-la-Montagne, Pétionville. C'est magistrat communal Dominique Saint-Roch et Azep Wilson-Joseph qui dirigeait la cérémonie. Dans page sport, championnat national première division, Songe Pierre fait retour dans l'équipe Racing Club Haïtien après 2 ans passés dans l'équipe Real Hope du Cap Haïtien. Et puis international, classement FIFA, Allemagne a toujours été en tête, Brésil toujours en 2e position et puis dans zone CONCACAF, Haïti classé en 7e position. Amis téléspectateurs, gros bonsoir pour nous toutes. Bienvenue dans le journal Mi-temps Journée 1 sur Télévision Nationale d'Haïti. Président, commission, conditions femmes et droits femmes, Chambre députée à Gladys Saint-Jean lundi, exprimé préoccupation liée sous calamité marchand marché Hippolyte. Député lundi, a encouragé le gouvernement à prendre toutes dispositions pour supporter marchand yo. Président, commission 1, pas écarté l'idée pour rencontrer le comité interministériel qui est chargé pour travailler sous dossier ça pour discuter avec yo. Nous invitons à suivre un extrait dans le micro Fédéral Confident avec Moïse Wilbridge. En tant que présidente de la commission conditions féminines et équité de genre, et quand on connaît depuis au palais de marché, depuis au palais de secteur informel où est en majorité femmes yo, depuis au palais de marché où est les madame Sarah, donc qui c'est de monde malheureusement qui paraît côté pour crier. Donc moi crois que c'est moi-même dans limite pam qui pour crier pour eux, c'est cri ça justement moi vinn porter jodi là pour moi dire que gouvernement faut qu'il prenne toute disposition pour que yo fait un recensement en règle. C'est pas de monde qui pat marchand qui vinn précéder au marchand et puis véritable marchand yo pour que yo même pas bénéficier rien, mais c'est pour yo faire un recensement en règle pour yo réparer moun yo, pour yo supporter moun yo, parce que me connais au fait depuis mon a perdu marchandise, c'est pas évident que réparation que pral bali en pral est proportionnel avec ça que li même li perdu. Mais moi crois que faut yo bay moun yo une assistance réelle et en même temps pour yo prendre toute disposition pour que genre de cas ça yo pas continuer à répéter dans pays a, parce que nous sommes pays qui malheureusement que a dit qui pauvre, bien que me nous sommes pays qui charge richesse, mais nous richesse tellement mal distribuée que ou gagne l'impression nous un pays qui pauvre. Commission interministérielle qui sous pied a gagné un ministère à la condition féminine et aux droits de la femme qui fait partie intégrante de commission ça. Donc moi crois que li de bon temps pour que commission condition féminine dans chambre députée a li réuni avec commission interministérielle ça pour yo garder et question ça. Et peut-être que vini avec des propositions et qui pour permettre que yo joigne un dénouement dans crise ça, yo joigne une façon qui peut-être est plus raisonnable et qui pour capable résoudre et problème ça et permettre que moun yo capable joigne qui choy pour continuer vivre. Parti politique rassemblé pour sauver la caille en parasol, ça les décisions président République la prend dans tête collée à gouvernement pour accompagner marchand victimes dans marché Hippolyte. Dans occasion un responsable parasol là Yvon Bonhomme a profité pour tes solidarités avec victimes yo pendant souhaiter la justice avec la police mener bon genre enquête pour tabli vérité sous façon marché Hippolyte la boulé. Nous invitons suivre un extrait dans micro Migra Emilias. Parti politique parasol a saluer démarche président à premier ministre en termes de responsabilité qui ont même non seulement rendu sur les lieux mais déjà pris engagement pour aider maman et papa petit Sayo qui l'a gué deux bras pendier. Marché Hippolyte son patrimoine culturel, mener bon gens enquête pour établir la vérité dans sous qui circonstances marché Hippolyte qui c'est à la fois patrimoine, un patrimoine culturel important pays a, dans qui circonstances li boulé et pour vérité établi, et si c'est monde qui t'a mettel son secteur bien monde qui t'a mettel, et bien pour criminel ça, yo menel la justice, les juger selon la loi.
L'autre information dans le journal ça, magistrat Pétionville-là, Dominique Saint-Roch, dans tête collée à Kazek 4e section Belleville-la-Montagne, Wilson Joseph, inauguré jeudi 15 février à une ligne électrique dans l'habitation Chambon, 4e section communale Belleville-la-Montagne, Pétionville. L'électrique ça a pris en service 3000 personnes dans l'habitation Chambon, d'après Azek Wilson Joseph. Nous invitons à suivre un extrait. Magistrat Dominique, il te recevoir moi, donc il n'a pas fait distinction. Nous faisons plusieurs tentatives, nous parler plusieurs fois, mais il a toujours dit, pasteur, ou maître Tétan, eh bien, m'a fait projet à quand même. Donc, je vous dis, projet à lui atterri dans la zone, son fierté pour nous. Magistrat a levé tête nous, en pile l'autre zone, t'a minimisé nous, mais grâce avec Magistrat Dominique Saint-Roch, nous avons dit lever tête nous bien aujourd'hui. Alors, toute population recevoir projet à accueil. Son fierté pour nous, son cœur content, parce que aujourd'hui, nous sommes dans le fait noir et nous sommes en lumière grâce avec Magistrat Dominique. Projet a capable de servir près de 3000 personnes dans la population. Son projet, nous avons fait Magistrat part de ça, donc, mois août et 2017. Là. Nous avons parlé de ça dans le mois août 2017. Donc, rapidement, nous ne prenons pas en pile temps. Donc, là, nous prenons le mois août 2017 à mois de janvier 2018. Donc, ça capable de nous et environ 5 mois. Bon côté par le magistrat Pétionville, Dominique Saint-Roch, fait qu'on est projet lien électrique ça rentré dans le cadre d'un projet mairie a gagné pour bay moun accès à courant dans une distance de kilomètres. Pour ça, mairie Pétionville a dépensé un fonds qui plus passé 3 500 000 goud. Nous invitons au suivant extrait dans micro TNH. Nous venons là dans le mois de septembre, nous fait constat à proximité de ville à quelques kilomètres. Déjà, il n'y a pas jamais sacré l'électricité, hein, c'est à forte distance qu'il y a pour elle. Donc, nous avons pris disposition pour que nous menions courant bayou. Et là, ça pourra permettre que nous travaillions sur projet. Un projet sur 2 km route qui coûtait 3 592 000 goudes et qui prend 27 poteaux. Et là, nous annexons à plusieurs habitations. Donc, nous pourrons continuer le fil à mesure. Et ça fait nous t'inviter ministre intérieur pour le venir pour être capable qui gens qui problème qui gagne au niveau section yo donc il pas gagne chance privé mais quand même niveau un représentant ministère là qui en a avec nous là c'est avec fonds mairie c'est budget mairie nous insérer dans budget un montant que nous allouer à investissement et c'est dans montant ça que nous décaisser pour que nous capable faire projet ça donc aujourd'hui nous content nous arriver là nous permettre que mon chambon joigne courant le 20 et à 3h n'a pas inauguré courant dans zone Cap-François donc n'a pas avancé au fur et à mesure n'a mené et tout ça qui gagnait en termes de besoins élémentaires joindre mon yo c'est responsabilité AZEC KAZEC zone dans l'hôtel locaux yo même pour yo capable gérer cependant depuis dans demande pour que nous capable faire connexion qu'on on fait projet mais Fimnan doit faire une demande en autorisation de EDH pour capable faire connexion déjà gagne planification pour faire demande de compteur. Magistrat Cité Soleil l'agent Islin Frédéric dressé un bilan positif sur carnaval yo réalisé dans commune là. Malgré meg moyen, il dit mairie a te gagné en main, population Cité Soleil là te prend plaisir. Magistrat souhaité secteur privé et public poté collé ak yo année k'ap vini yo. Yo extrait dans micro Richardson Jordan. Nous font carnaval, nous te commencé à 5h de l'après-midi et nous finis à 2h du matin. Et nous te gagné un grain blessé. Et nous avons un grand monde qui a fait une tentative pour casser une vitre machine. Donc, en gros, c'était deux problèmes que nous avons rencontrés dans le parcours carnaval. Et ça nous a rencontré comme ça qui a fait beauté carnaval. C'est que tout le monde de la Cité Soleil était paré pour le carnaval. C'est malheureusement que nous avons demandé, nous avons besoin d'un deuxième jour, mais nous ne sommes pas prêts pour le deuxième jour. Nous avons fait un grand jour parce que. Moyen était faible et nous pas joindre aucun monde qui assiste nous sauf que nous te joindre meuse dans dernier moment qui te fait nos cadeaux 75 000 goudes et que par rapport avec un ensemble d'imprévus que nous avons pas de faire grand chose mais quand même nous dit merci parce que c'était un accompagnement que le banni mais nous fait un carnaval pour première édition commune Cité Soleil là avec 1 million de goudes qui c'est cob Cité Soleil nous te gagne deux chats. Donc, pour gagner deux chats, premièrement, un seul chat seulement coûte 552 000 gouttes. Donc, il y a une dynamique que nous arrivons à réaliser l'activité. Donc, nous avons pour faire un carnaval, surtout dans la commune Cité Soleil, qui sont une commune qui est très, très
différente par rapport avec l'autre commune yo. Donc bon, c'est respect à comprendre samedi là et nous t'ai déployé tout ça nous connaît pour que nous t'arriver faire carnaval là possible. Et que moi même magistrat m'était là directement dans parcours. Il fait tout parcours avec tout chayo pour m'était capable yo ça ont relé yon sorte de position pour yo pas peur parce que nous t'ai comprendre que Cité Soleil il fut un temps pas grand monde qui t'a venu. Mais nous t'ai fait lancement carnaval ça nous fait première édition c'est pour nous dire tout le monde que Cité Soleil est ouvert. Il est ouvert pour recevoir investissement. Et nous faisons une journée carnaval, nous commençons depuis 5h de l'après-midi jusqu'à 2h du matin et nous faisons parcours fait noir. Donc en pile côté nous passons par gain éclairage faute de moyens. Et nous avons un problème logistique tout tap calé nous. Alors depuis pas gain moyens, pas gain logistique. Donc bah, c'est moyen, c'est logistique. Donc depuis pas gain moyens, pas gain logistique. Et je pense que tout ça c'est des bagages que nous pral arranger l'année prochaine qui va permettre que nous puis bien accompagner population hein, dans un 2 jours carnaval parce que l'année prochaine il y a 2 jours à faire dans un 2 jours carnaval. Le dossier dans le journal ça président République là Jovenel Moïse remet 11 février passé à un lot équipement loup by direction départementale grand danse travaux publics. Remise matérielle ça y est faite en présence du premier ministre Jacques Guy Lafontaine, sénateur Sorel Yacinthe avec divers lots et les départements. Nous invitons à suivre un compte rendu Esaïe Aurelius à présenter. C'est un lot matériel lot qui gagne là-dedans, camion, pelle excavatrice, loadé avec divers lots engins qui capable et puis doit servir dans divers travaux publics. Yo pral participer tout dans renforcer capacité direction départementale grandance travaux publics dans mission et puis avancer à caravane changement dans département. Yon démarche et les différents niveaux département grandance applaudi. Magistrat yo, député yo, sénateur yo, kazek yo, nous sommes discuter ça en dedans, c'est ça qu'on en apprend comme ça. Comment pour ensemble pour nous faire développement avec ça nous là. Parce que pis c'est gaillé pas fait kim. Pis c'est gaillé pas fait kim. Peut-être nous ensemble et nous dit que nous avons un forum et chaque mois nous avons réuni et le président l'a venu chaque 3 mois. Donc c'est là avec direction départementale que nous allons faire développement grandissant avec le président, avec le premier ministre et nous tous ensemble. Donc parfois nous miser, mais je dis entre nous, nous avons de bonnes nouvelles. Président République là, Jovenel Moïse, pour tes précisions sur capacité, équipement ça y est, travail, il doit réaliser dans le département. Interconnexion différentes communes, tirage rivière, assainissement pour ne citer ça ou seulement, c'est ensemble programme chef l'État, dit administration, là, pas quitter sans réaliser. Lundi, n'a quitté 4000 km route dans le pays asphalté pendant 4 ans crédit. Nous ne parlons pas. Nous disons que chaque département dans le pays, il y a 10 départements, chaque direction départementale va l'obliger de faire 100 km chaque année. Ça veut dire direction départementale, grandance, il y a obligation pour faire 100 km route chaque année. Ça veut dire 100 km route bien fait, ouvrage. Nous parlons directeur départemental là déjà, ministre clair avec lui. Si il y a un côté pour faire pour pas sous compte direction départemental là, ministre là, après le travail avec compagnie qui fait pour eux, pour venir faire pour eux. Si il y a un petit ouvrage qui peut faire, direction départemental là, avec particularité que grandeur n'a rien, parce que nous avons une usine béton que l'autre département n'a pas rien. Comme dit nous ça, c'est le seul département grandeur aujourd'hui que l'État possède une usine béton sous lui. Ça veut dire. L'autre département va rien. Particularité ça, a fait que tout ouvrage que nous besoin faire dans le département, béton, a capable de faire ouvrage bien vite. Nous avons grand dans aujourd'hui, route caille, Jérémie, coûter l'État haïtien, c'est pour nous ouvrir les oreilles, nous, pour nous connaître ça. On route cap construit depuis 2008, aujourd'hui, en 2018, ça fait 10 ans. Les coûter l'État haïtien 300 millions de dollars. Route ça, 100 km route. Et moi-même, moi dis-nous ça, 100 km route coûte l'État haïtien 300 millions de dollars. Je dis à ma dis-nous, nous-mêmes nous prenons décision pour nous faire 100 km chaque année sur chaque département. Il y a 10 départements multipliés 100 par 10. Nous tous ces étudiants nous venons derrière dans l'école. Pas un monde qui est arrivé là. Ça veut dire, 100 multipliés par 10, ça fait nous 1000 km. C'est ça que nous pouvons voir pour nous mettre sous pays à chaque année. Et chaque direction départementale. Moi dis, moi m'a pas le chita dans marché chaque semaine vinn coller dans con directeur départemental. Moi là pour me venir visiter chaque 3 mois, moi même dans caravane dans con y a m'a le mettre en gros équipe pour me curer.
toute rivière qui est dans le pays. C'est ça que je vais superviser avec le Premier ministre. Il y a 60 gros rivières qui sont dans le pays. Parmi lesquelles, Grand'Anse, il y a n'importe 7 là-dedans. Grand'Anse, c'est une parmi 10 départements pays qui recevoir matériel dans le cadre de démarche président Jovenel Moïse pour équiper différentes directions départementales. Pour Kounia, c'est tout le pays qui prend le chantier à travers Caravane Changement. Merci Esaïe ak Micho. Organisation Unité Force Populaire organisée premier congrès national li, samedi 10 février à non gymnasium Vincent. Secrétaire général Unité Force Populaire Samson Estilin expliqué objectif congrès ça qui s'est rivé rassembler toute organisation qui fait partie mouvement PHTK pour accompagner président République la Jovenel Moïse dans action la poser dans cadre caravane changement. Nous invite au suivi un extrait dans micro Saint-Croix Paki avec Jean-André Chéri. C'est des organisations qui sont en dans PHTK MA qui mettent ensemble pour former ça nous le secteur populaire. Donc nous baillons nous comme mission mais pour nous accompagner le président Jovenel Moïse dans toute décision l'a gagné pour le prendre et dans toute décision le prend déjà. Donc nous-mêmes tout dans unité force populaire nous décider, nous déterminer pour nous accompagner avec caravane changement. Pendant que nous connaissons caravane changement a fait grand action, a fait grande ouverture. Nous-mêmes, en dans l'unité force populaire, eh bien, nous décidons pour accompagner le président. Parce que, contradiction, nous avons envie de voter, nous avons envie de voter pour voir, et puis, nous avons envie de regarder. Mais nous-mêmes, nous n'avons pas décidé de faire ça. Nous décidons pour aider le gouvernement. Parce que, qui côté, s'ouvre le problème, c'est le président, pas carré, le président Jovenel Moïse, pas carré, tout côté. Mais c'est nous-mêmes, en tant que groupe organisé, qui vivent dans la société, c'est nous pour accompagner le président, pour permettre, et mes côtés ne pas arriver, et bien nous arriver pour lui, nous atterrir pour lui. Donc, nous disons, caravane changement, déjà, nous disons, il était lancé le 1er mai 2017. Donc, déjà, nous dressons, je nous désire déjà, un bilan très positif des caravanes changement. Nous avons constaté un lot d'équipements qui sont distribués dans toute direction départementale. Et nous dit président Jean Tédil dans la campagne, c'est travail qu'on travaille, c'est travail qui vient de travailler. Regardez, je ne vais jamais me faire moi-même à soulier dans le pied. C'est toujours un petit bot dans le pied pour prouver à la population haïtienne que le président Jovenel Moïse son rude travail. Voilà, on a pris une pause dans le journal là, pas déplacé, on a tourné. Nous retournons pour deuxième partie journal là, non page sport, championnat national première division. Songe Pierre fait retourner dans l'équipe Racine, dans le club haïtien. Après 2 ans, il est passé dans l'équipe Real Hope du Cap haïtien. Et puis, dans l'international classement FIFA, Allemagne toujours été en tête, Brésil toujours en deuxième position. Et puis, dans un CONCACAF, Haïti classé en 7e position. Nous invitons à suivre. Première journée, c'est ouverture championnat national football première division pour saison 2018 là. A démarré week-end ça sur plusieurs terrains dans le pays. Dans le rayon transfert, pas gain 3 mouvements qui fait bon côté joueur, plusieurs équipes plaident pour stabilité. Cependant, gain plusieurs changements qui fait dans niveau staff technique et formation, tant que Real Hope Academy qui séparé de Songe Pierre et qui remplacé par Jussel Auguste. Selon une note qui rend public, journée vendredi, qui portait signature secrétaire général de l'équipe Capoise là, qui est dans le Célicou. Décision ça liée à respect équipe là et puis en tête de partie mais vini tout de suite après élimination Rhinocéros dans tout préliminaire Ligue Champion contre CACAF là avec Real Songe t'a remporté ses ouvertures championnat national 2017 là avec Super Classique Zilea face à Atlético Pantoya. Selon information qui rive jeune direction sport télévision nationale d'Haïti, Songe Pierre déjà retourné dans Racing Club haïtien côté avec Gérald Beauvais, li pral gagner pour le mener Vieux Lyon pour saison 2018 là. De l'autre côté, après une saison difficile côté le plus à jouer maintien au lieu de titre. Tempête de Saint-Marc fait venir David Télémac qui est remplacé dans Racine Gonaïve. Après qu'il était déjà dirigé Baltimore, David Télémac choisit l'autre camp, ça qui déjà fait nous yon l'idée de qui Jean Derby Saint-Marcois après allié pour saison ça. N'a pas signalé pour première journée c'est ouverture championnat national football première division. Samedi 17 février, Real Hope a recevoir Football Club Petit Guave. Dimanche 18 février, Racine Club Haïtien a déplacé Léogane pour rencontrer Cavalli, alors que Tempête Football Club a recevoir Valencia Léogane qui monte saison ça dans première division.
Classement FIFA, Fédération Internationale Football Association FIFA, publié classement li pour mois février, deuxième li pour année, journée jeudi 15 février 2018 là. C'est dans classement si là, top 10 là a été inchangé avec l'Allemagne, premier 1602 points, Brésil deuxième 1484 points, troisième Portugal 1358, quatrième Argentine 1348 points, Belgique cinquième 1325 points, Espagne sixième 1231 points, Pologne septième 1213 points, la Suisse 1190 points, la France 1183 et Chili 1128. Haïti prend une place, il passe de 87e à 86e position. Dans la zone contre Kakafla, 11 nationales en 7e position après Mexique 17e mondial, États-Unis 24e, Costa Rica 25e, Panama 53e mondial, Honduras 65e et Trinidad Tobago 80e devant Canada dans le classement général FIFA. Président République là, Jovenel Moïse remet yon lot équipement lourd by direction départementale Grand'Anse travaux publics. Président commission conditions femmes et droits femmes, chambre députée à Gladys Saint-Jean lundi, exprimé préoccupation liée sous calamité marchand marché Hippolyte Kiboulé. Député a encouragé gouvernement prend toute disposition pour supporter marchand. Yon ligne électrique inaugurée jeudi 15 février dans 4e section communale Belleville à Montagne, Pétionville. C'est magistrat commune Dominique Saint-Roch et Azep Wilson Joseph qui dirigeait cérémonie. Dans la page sport, championnat national première division, Songe Pierre fait le tour dans l'équipe Racing Club Haïtien après 2 ans passés dans l'équipe Real Hope du Cap Haïtien. Et puis l'international, classement FIFA, Allemagne a toujours été en tête, Brésil toujours en 2e position et puis dans zone CONCACAF, Haïti classé en 7e position. Amis téléspectateurs, cela nous mettait bout dans journal ça pour aujourd'hui. Merci à tout le monde qui t'a suivi journal ça. Nous invitons à rester branché télévision nationale d'Haïti pour suivre la programmation. Bon week-end tout le monde.